aussi pour te faire foi. Mais quand le gouvernement a mettait le cap sur le sud pour te faire foi national, donc il y a des démarches qui étaient faites pour te garder, pour te mettre toute synergie ensemble pour te faire un beau événement dans le sud, un événement qui était tout bas sur l'opportunité pour qu'il vienne une destination touristique, même en matière de festivité 1er mai. Donc, malheureusement, nous avons commencé très tard et ensemble de initiateurs, ils ont été contents avec des marchés un peu plus tôt et que eux-mêmes ont été contents des dépenses qu'ils font. Donc, ils pas trop. Il était logique, oui, mais quand même par rapport à des dépenses qu'ils ont faites, chaque monde était dans l'espace, il a évolué. Même pensé, et après, en pleurs qui fait la gagne à Nia, c'est parce que, effectivement, ça nous expose là, c'est des bagages qui sont typiquement dans terre. Et c'est dans le département, qui partout dans l'autre côté que le département sud. Et nous faisons des expositions à partir d'un ensemble de projets que nous gagnons, qui adressent ces problématiques dans le département que le secteur fait face. Donc, on va aller là, sur un tour de espace là, ou après que nous gagnons la pêche qui vous présentez. La pêche est présentée parce que nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, nous avons un gros projet de pêche. Un gros projet de pêche qui a des résultats que nous-mêmes nous ne pouvons pas attendre. Donc, actuellement, nous avons un nouveau projet qui a continué à servir dans le département parce que nous estimons que le changement nous a cherché dans le niveau pêcheur, autrefois qui était considéré, qui était marginalisé par une série de monde dans la population, mais maintenant, un pêcheur, il n'y a pas la même considération dedans parce qu'il fait comme, activité à faire comme. Et c'est grâce à un programme que le ministère de l'Agriculture a gagné, qui est un programme de pêche artisanale. Et nous avons effectivement nous avons de gros expositions par rapport au projet que nous avons les réponses. Le projet répond à son projet qui travaille avec l'ensemble d'organisations de riziculteurs dans le département, côté que nous avons envisagé un transfert de services de anciens projets vers l'association SAO. Donc nous avons gagné des organisations que nous encadrons dans la question de mise en marché, dans le marketing, effectivement qui baillent de bons résultats là tout, puis le monde a apprécié, parce que nous-mêmes nous presque développons les belles bases par rapport à la question de vie dans le département. Donc si vous faites un tour de l'espace là, on va regarder effectivement la question. Nous gagnons un ensemble de transformateurs qui gagnent des programmes de grands programmes les CEPAC. C'est un programme de projet de renforcement des services publics agricoles qui était encadré et réhabiliter un ensemble d'ateliers de transformation dans tout le département, côté que nous avons gagné environ 71 ateliers sur tout le département sur la communauté réhabilité, permettre qu'effectivement nous gagnions des monde qui entrent dans la transformation et qui prouvent effectivement la capacité de la transformation. Donc tout ça, c'est des vitrines. Nous disons, il doit servir de vitrine pour effectivement nous exposer aux yeux du monde entier ensemble d'avancées qu'a fait dans le secteur agricole dans le département sud. Donc nous avons plus partenaires sectoriels qui ont tout, qui ont des programmes qui sont approuvés par le ministère, qui ont fait activité et qui ont de bons résultats. Et nous avons l'occasion pour nous garder ensemble avec le ministère là, ensemble avec le ministère des Affaires sociales, effectivement, et de efforts qu'a fait dans le département effectivement pour nous arriver, booster la production et permettre que les gens qui sont au niveau artisanal et tout. Je pense que c'est pas d'ailleurs un nouveau espace qui est réservé à monde qui est dans l'artisanat dans le département. Je pense que c'est une initiative que nous-mêmes avons le gouvernement dans le département à partir de l'année prochaine pour qu'effectivement nous parlions plusieurs fois dans le département. Nous avons parlé de 4 heures, nous allons commencer à créer. On voit, il faut qu'il y ait une ambiance. Il faut qu'il y ait ambiance effectivement pour attirer les gens. Il y a des gens qui n'ont pas fait foi. Il y a des gens qui juste planifier des festivités pour faire des activités. Mais nous-mêmes, nous avons fait foi après ces expositions pour, dans le Réal du Col, dans retransformer un ensemble de services dans l'État, qui de services dans le département qui est présenté là. Donc, c'est ça, si vous regardez, à ce fond, tout de fois, après, c'est pas même bagaille. Bon, nous avons l'autre université qui a fait des fois tout par rapport à des services de recherche qui a fait, qui a bâillé dans le département. Donc, vous pensez, l'année prochaine, j'aime vous là, notre travail, nous commencer des marchés pour qu'effectivement nous fassions seul. Nous fassions seule fois, une fois régionale ou une fois départementale et qui pour nous tout utiliser, tout prendre les plus bonnes opportunités pour qu'effectivement chaque année, donc synergie ça, nous mettons ensemble pour que nous fassions gros bagages dans le sud, le sud vient notre destination touristique. Chaque fois, on est n'importe quoi, sur dans notre commune, pour dire, eh, on va le faire. Et le pas obligé de faire au cas seulement, nous allons regarder dans différentes communes qui gagnent. Qui ça nous a fait. Chaque année, nous mettons nos communes pour nous garder pour nous attirer les gens, vers la production locale. Qui expose, c'est des organisations que le ministère travaille avec toi, ou bien? Nous gagnons à deux niveaux. Nous gagnons que nous travaillons directement à travers une série de projets que nous avons là. Et projet pêche, projet irrigation, projet et incitation. Et nous gagnons des projets qui travaillent sur la transformation. Et en plus, nous gagnons tout qui vient à partir de institutions partenaires que le ministère a autorisé pour ces activités avancées. Parce que nous-mêmes, dans le ministère, nous n'avons pas assez de ressources pour nous encadrer tout le monde. Donc, nous faisons partage de territoire
avec un centre de ONG, juste nous faire arbitrage pour permettre aux séries de monde qui a porté appui dans le secteur, il y a des groupes qui ont encadré. Après, puis là-dedans, là, c'est des institutions dans tout. Il y a aidé que le projet de RASA, son projet qui travaille sur l'amélioration de la résilience du marché et un projet de sécurité alimentaire. Nous gagnons Papyrus qui sont projets, et sur vos jours là, on a un ensemble de projets que nous travaillons avec Sucou, c'est des projets qui ont des financements externes, mais qui ont de services, qui ont renforcé les services et ministères auprès de l'agriculteurs. Donc on t'a dit là, le ministère a déclaré, on est satisfait. Oui, nous satisfaits parce que nous faisons deux jours, et nous commençons hier, c'était gros ambiance qui était là. Et on connaît par rapport à l'espace, donc le midi, il est 2h, il fait un peu de soleil. Donc nous n'avons pas trop de monde, mais à partir de 6h là, sous le fond tourner là, on va pas casser, même on ne peut pas faire. Donc il y a 4 personnes que la direction départementale là, qui est dans le ministère de l'Agriculture, baillent en décoration. Je voulais attirer l'attention de tout le monde qui est là. Décoration, sont décoration. Mais il y a une signification. C'est des gens, soit qui sont dans l'administration, dans le bureau, par exemple, Madame Larocque, qui travaille dans l'administration. Nous ne sommes pas souterrain, mais c'est des gens qui font le travail qu'ils doivent faire qui pour permettre que l'activité soit réalisée des fois. Ensuite, nous avons deux personnes, nous avons Fanel. Fanel, tout le monde, nous avons Fanel. Nous avons un agronome Eliassin et puis nous avons un agronome, je sais qui c'est, Haïtika. Ça a une signification très importante pour nous. Pour quelle raison? C'est parce que c'est monde qui est en production, c'est monde qui a produit, on fait un produit quand même. Par exemple, Haïtika, ils ont décoré parce qu'ils travaillent dans les affaires cacao. Haïtika, river fait un produit cacao. Même si on n'a pas acheté cacao de l'autre côté pour nous manger, eh bien, il y a un produit fini. Donc, non seulement ils ont planté cacao, ils ont aidé, alors ils ont transformation, mais ils ont appuyé tout pour production. Parce que faut qu'il y ait cacao, il faut qu'il y ait cabos là, pour qu'il y ait privé, produit et transformé. Donc, Haïti a fait un travail spécial, un gros travail. Donc, c'est peut-être ça, le ministère. Oui, que son travail qui est tellement important parce que ça produit ça, son produit fini lié, qui est exporté, qui est capable de permettre au pays de rentrer dans là. C'est ça que fait. Donc, oui, que son produit qui est très important, donc, une plaque d'honneur qui est décorée. Les noms décorés, ce n'est pas pour dire non fini. Au contraire, c'est encourager, n'a pas encouragé, on a produit. Donc, le ministère de l'Agriculture, pas de l'air était sensible dans le cadre de produit ça. Que Haïti a mis sur le marché et même sur le marché extérieur. Ensuite, nous avons Jocelyn Fanel, disons, Fanel, il est en production. Production maïs. Donc, tout le monde connaît. Actuellement, Haïti, production maïs a descendu en pile. Mais le fait que nous avons des projets maïs qui travaillent dans la zone département sud là, et Fanel a gros appui. Nos affaires production maïa. Donc, son décoration. Nous avons estimé que le travail que le fait, il a mérité, encouragé pour continuer avec le travail ça toujours. Donc, Fanel, nous disons courage. Après ça, nous avons amis là, qui sont agronomes. Ils sont agronomes, moi-même, je dormi, je me rêve. Pour qui ça? C'est-à-dire que agronome Eliassin, il travaille, il mettait tout le temps, fait 40, combien de temps encore? 44 ans, il travaille dans le secteur, dans tout, surtout dans la filière. Ah, bon, on ne peut pas aller, non? Bon, comme il y a une bonne opportunité, je suis capable de dire que je suis arrivé dans le département du Sud en 1979. Donc, année, ça a fait moins 44 ans, côté que nous avons travaillé en pile dans la recherche agricole. Et nous étions responsables ferme Lévy. Nous avons institué production semences pour le département du Sud. Là. Et ensuite, je suis allé étudier, je suis retourné encore. Nous avons eu en pile l'opportunité pour nous quitter le pays. Mais je jugé, et c'est ça avec tout cœur, je jugé que tout.
toute étude moi même si on dit l'état haïtien pas bon mais c'est l'état haïtien pire l'école primaire l'école secondaire université et mal travail encore dans l'état donc on t'a décidé pas arrêter l'autre bord vini pour me payer ça que yo t'ai investi dans moi même ça fait 44 ans que me là et quand y a là m'a travail comme directeur général dans or et nous gain des activités n'a concrétiser et n'a continuer concrétiser pour pays a parce que nous besoin mettre manger dans pays a donc à produire manger pour tout 12 millions d'haïtiens sans que nous pas importer merci okay. Alors agronome nan dit c'est mettre main pour nous capable produire manger pour 12 millions haïtiens c'est pas un travail qui est facile non c'est pas comme si rete chita croiser bras et puis n'a produit manger non c'est tout le monde qui peut mettre maintenant m'pa dire encore c'est que nous devons mettre nos sous travail nous comprendre que gagne problème nous connaît que gagne problème nous connaît que tout on gagne bagaille qui passe dans nature là changement climatique la pluie nous te conduit longtemps yo pas joindre même gens saison en bas même gens etc. Donc ça mais quand même gagne possibilité pour production agricole là l'avancer et non seulement production agricole là non j'en connais lié là capable avancer mais avec le travail c'est pas pour rien aujourd'hui qui fait non avec ministère affaires sociales qui occupe ça fait travail dans pays là donc yo là yo même yo là yo accompagner non chaque année dans cadre activité ça 1er mai qui s'est fait agriculture à travail. Mesdames, nous représentons un pile pour directrice là, c'est ça qui fait te penser avec nous, c'est monde dans sud même gens avec nous. Donc premier n'a pas mis premier gros action que li commencer faire là, li montrer nous que le sud soukel, le sud cher à lui-même et nous même femmes vanyan kap goumen dans dignité pour nous sauver la vie petite nous, pour nous mettre manger dans bouche marie nous, et penser avec nous et nous c'est des femmes extraordinaires. Applaudissez tête nous et mandez nous applaudir pour nous s'il vous plaît. Et demander un petit applaudissement spécial pour le directeur général Ona qui pense à mesdames Sayo et qui pense à tout petit machin. N'a dit tout le monde merci, merci et merci le Sud pour accueil là. Et ok. Merci le Sud pour accueil là. Merci tout le monde, merci. Applaudissez nous. Bonsoir tout le monde. Okay. Comme moi t'ai dit dans le discours d'installation, moi me dit que m'apporte une attention particulière pour mesdames yo, n'a encourager mesdames yo dans l'entrepreneuriat. C'est ça fait nous commencer faire petit geste ça. On nous bat bravo pour mesdames yo.